Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis très heureux de faire cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on voulait la faire et tout est réuni pour la faire. Regardez ce magnifique temps et on accueille l'unique Thierry Desruchers du canal. Voilà, c'est sa première apparition sur YouTube. Tout à fait. Et la dernière aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pêche à l'aimant au canal de la Martinière. Donc c'est un canal artificiel. Qui a été construit, j'ai regardé, vers 1890 pour faire passer tous les bateaux de Nantes, construits à Nantes, vers donc l'océan Atlantique. Et donc, on espère trouver des petites choses sympas ou même rien trouver, ça veut dire que tout est propre. On voit un truc en métal juste derrière, là. Donc on va essayer de... Voilà, et si ça vous plaît, bah mettez-le dans les petits commentaires. Pour un épisode 2, peut-être ici, peut-être autre part. En tout cas, ça vous fait un beau spot pour bien dépolluer, on est très bien ici. Donc c'est parti. Donc, premier lancer, okay. Honneur à l'esclave du jeu. Alors on va essayer, bah moi j'ai tout de suite allé sur la petite prise en métal. Ah, mais qu'est-ce qui te dit que c'est du métal ça? Bah on va voir, moi je pense que c'en est. Je sais pas ce que c'est, on dirait... C'est une péniche, tu vas avoir du mal à la sortir. Vas-y. C'est un caillou ça, non? On va essayer de la voir. Alors? Ça s'accroche ou pas? Ah oui. Ah, c'est lourd. Ah, on n'aura pas la réponse. C'est trop gros? C'est trop lourd. On voit ce que c'est. Ouais, mais c'est un gros machin. Donc là, c'est caméraman amateur. Hein. Ah, ça bouge! Oui, il y a de l'air qui sort. Oh la vache! Là, c'est un gros morceau, hein. C'est un moteur, c'est quoi? Oh! Eh, c'est un moteur! Oh, c'est un moteur! Première! Attends, on va essayer à deux. On l'aura pas. Ah, un vieux moteur. Tu veux que j'essaye? Ouais, les gens qui font caca ici, c'est pas. On filme ça ou pas? Les gens qui font caca. Tu vas essayer? Ouais. Honneur à Thierry pour sa première entrée YouTube. Un maximum d'applaudissements. Thierry avec son magnifique maillot, montre-nous les ruchers du canal. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Il est juste rentre. Si, si, il fait des clips. Bon, je sais pas si il a bien filmé, mais c'est un moteur. Je sais pas, alors si vous savez dans les commentaires. Alors. Ouh. Première découverte. Ouais, notre sac à trésors. Alors je filme un peu comme je peux. Ah, c'est une clé! C'est une clé! C'est une clé, je crois. On va essayer de nettoyer ça. C'est une sorte de clé, je sais pas. En tout cas, dans les commentaires, si vous savez ce que c'est. Si c'est une clé, on passe au niveau au-dessus parce que pour l'instant on avait que des morceaux de fil oui, de fer. Oui, pour l'instant on a fait une pêche à l'aimant juste 10 minutes pour essayer de trouver du fil de barbelé. C'était intéressant, mais bon, là on est déjà direct sur du lourd. Alors c'est parti. Ce qu'il nous faudrait, c'est un. Ah, tu veux pas essayer de l'avoir? Oula. Toujours regarder ce qu'il y a derrière quand on fait un moulinet. Alors, première leçon. Alors j'ai appris mon pied. Et ça... Au niveau cadrage, ça va pas être terrible. Hein. Oui, bon, c'est la première. Désolé. C'est le même sol, en fait. T'as l'impression qu'il y a un espèce de quai tout le long. Et peut-être que les eaux ont monté par rapport à 1890, quand ça a été construit. J'ai une barre de fer. Avec plus d'équipement. Oh oui. Alors là, c'est une... La barre de fer. Ah, mais attendez, c'est pas une règle. Peut-être que sous cette eau, il y a une voiture. Je sais pas si. Alors, si dans les commentaires, il y a des petits professionnels, on a trouvé ça. Pourquoi une voiture? Ou je sais pas, bah avec le il y a un moteur, il y a non, ça. Non, mais ça peut être un moteur de. Un tracteur, peut-être, je sais pas. Et puis, il y a l'espèce de petite clé. S'il y a des pros, dites-nous. En tout cas, belle découverte. S'il y a quelqu'un qui arrive à déterminer le véhicule avec cette barre, il est fort. Hein. Voilà, je vais le mettre. C'est joli là, le soleil sur le canal. Ouais, magnifique endroit, les Rouserolles. Ah, qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est un moteur, c'est sûr. Mais moi, j'aurais plus dit un moteur de tracteur. Hein. C'est une tour de la gazon. Regarde, on voit le filtre à air là. Oh, ça se barre en morceaux.
Ah oui, ça se casse. Ah bah du coup, tu peux le soulever, ramène le truc. Le filtre à huile. Alors moi, je m'y connais pas trop en moteur, hein, c'est pas mon domaine. Ah, attends, on a des trucs là. Des morceaux de ferraille. Il y a un ressort là. Alors l'odeur, c'est... ah, un ressort. Est-ce que un expert sait de quel ressort, de quelle voiture ça vient? En tout cas, regardez ce magnifique canal, cette magnifique vue qu'on a. Bah, regarde ce que j'ai sur les doigts. C'est de l'huile? Bah oui. Ah, il y a de l'huile carrément. Le filtre à huile. Ah, putain, on est en train... en fait, on est en train de foutre de l'huile dans le. Ah bah. C'est génial, on veut nettoyer, mais on s'est. Alors, ouais, il fallait l'enlever de toute façon. Ah, ah oui, 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 oui. L'huile est enlevée, ça fait très vite. Bon, et voilà, ça c'est de la vraie dépollution qu'on aime, parce que là, un filtre à huile, je sais pas si vous imaginez la pollution que ça fait. Et on n'a pas du tout choisi l'endroit, parce qu'on a vu le moteur, on est descendu, et j'ai vu ça, je me suis dit. Ah, tu l'avais reconnu, parce que moi j'ai pensé à un bout de rocher. Tout de suite, t'as vu que c'était du métal. Ah, moi j'ai vu que c'était du métal, oui. Voilà, les petites découvertes. On vous les montre de plus près. Alors la question c'est comment un moteur est arrivé là. Oui. À part si quelqu'un l'a balancé. Voilà, c'est pour ça que c'est important ces vidéos. C'est de la prévention. Ne jetez pas vos tondeuses dans le canal. Ce n'est pas bien. Alors dans les autres trucs on s'en fout, mais pas le canal de la Martinière. On y tient. Alors va-t-on la voir? La voir et pas les trucs pour laver. Ah oh là là! Regardez, c'est des mouvements très fluides, ça. Ça a été travaillé à l'entraînement. Oh là là, mais quel homme! D'où viennent vos muscles? Plein de petites actions répétées tous les jours, contrairement à la gonflette. Oh, et ça clash la musculation. Oh, il est beau, hein! Mmh. Allez, allez! Ah, ici, on a le moteur, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Mmh. Allez! Allez, oui! Il est là, on l'encourage. Allez, ah dommage, mais on y est presque. Hein. Là, on a un... il faudra un aimant plus puissant ou un crochet. On peut le laisser là et puis envisager de l'enlever plus tard. Voilà, le moteur plus près. Alors, si quelqu'un dans les commentaires sait hein, de quoi ça peut être, déjà de quel engin, et puis de quelle marque ou de voilà ce qu'elle peut le dire en commentaire. Bon, je pense que ça va être compliqué, mais on a des petits éléments. Il y a un filtre à huile déjà, c'est un élément. Donne, je vais essayer. Ah, une barre. Ah, mais c'est le tuyau. C'est le tuyau qu'on avait lâché. Ouais. Le tuyau. Oh, regardez cette magnifique, ce magnifique tuyau. Ouais, cette chose. Ça mérite un gros pouce bleu. Bon, en tout cas, si un cadreur amateur voudrait se joindre à nous, il sera bienvenu. Je vais tenter pour la communauté. Sinon, je vais pas aller dans l'eau. Je vais me pencher. Non, mais tu me connais pas. Plouf. Non, non. Ah, ouais. Bon, regardez un petit peu comment on fait pour plonger dans un canal. Alors, au départ, on veut juste attraper un truc. Et comme c'est trop lourd... C'est un peu lourd. Non mais t'y arriveras jamais. Ah oui, j'ai failli tomber. Bah évidemment, le poids va t'entraîner. Quelle nouille. Je te jure. On a failli perdre le plus grand streamer de l'histoire. Dab. Nous approchons d'un pêcheur allemand dans l'exercice de sa fonction. Et là, il essaie de choper un morceau de métal sans faire de bruit parce que le métal fuit quand on fait trop de bruit. Là, il se croit dans une classe. Oh ah, il y a quelque chose. Là, je vous le dis, il y a quelque chose. Je le sens. Tu nous l'as dit, là. Il ah, l'a si dit. Il y a quelque chose. Il a dit, il y a quelque chose. Vous avez dit, il y a quelque chose. Ouais. Et c'est un. Non, 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 non. Un bouchon de bouteille. Mais c'est magnifique, ça. Ça, c'est du champagne qui coûte 80 euros. Ou c'est du cidre doux. Kérissac, qui coûte 1,50€. Une vis. Presley. La bonne blague. Moi je le fais. Hein. Je dis Presley. Oh la double blague. Et c'est reparti. Thierry, joueur franco-malgache qui se lance. Oh là 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 là, mais quel lancer de grande classe pour le joueur. Ah bah, on a cassé, on dépollue mais on tue la nature. C'est bien. Alors, rien. Ah! Oh, 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 oh là 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 là, non, la doublette celui de
Ah non, par terre. Fausse déception, c'est celle que j'ai laissée par terre. On a qu'à laisser par là-bas, tiens, tu peux pas les manger ? Non, mais ils pensent qu'à manger, hein, les vieux de nos jours. Ah, moi, je regardez vieux, les là. Ah bon ? Ah bah, ah oui, 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 on n'avait pas vu, on aurait dû mieux regarder. Là, là. Ah mais qu'est-ce que c'est ? Un pot d'échappement ? Ah oui, on dirait. Ah ouais, mais c'est un scooter, ça, à mon avis. Un sous-marin. Ah bah voilà. Allez. Oui. Allez. Le joueur franco-malgache. Ah mais il y a... Attends. Passe. Il y a aussi une espèce d'isolation là, si vous voyez. Ah mais il y a une voiture complète. Peut-être que ça, ce moteur, il est là. Mais que... Et là, il y a quelque chose aussi. Non, je sais pas, on va voir. Mais là, on a du lourd là. Alors c'est pas ça qui va nous rendre... Oh oui. Oh oui, là. Qu'est-ce que c'est, un pot d'échappement ? C'est un pot d'échappement de scooter, ça, de moto. Je sais pas, alors si bien c'est, de quoi c'est ? C'est un pot d'échappement, si c'est bien un pot d'échappement, si c'est une moto, de scooter, autre chose, et de quelle marque ? Voilà, belle dépollution. Ah, oh, il y a de l'huile partout qui coule. C'est dégueulasse. Bravo Thierry, on peut l'applaudir dans les commentaires. De gros motards. Ah, les motards, vous foutez tout dans le canal. Et vous savez pourquoi on les appelle les motards ? Parce qu'ils roulent sur des motos. C'est drôle ça ? Oui. Ah, tarto ! Ouais. Oh, je disais, j'ai envie d'y aller. Mais tu sais même pas si ça tient en... Si ça s'enfonce, tu fais quoi ? Mais t'es mieux là ? Salut tout le monde ! C'est Timmy. Il va finir dans le canal. Non, non, mais tu vois, tu peux plus marcher dessus après. Tu l'enlèves. N'importe qu'est-ce quoi. Qu'on ferait pas pour sa communauté. Là, il y a plein de ronces. Et quand je remonte, moi. Tu remontes sur le truc, là. Allez. Ah. Y'a le héros. Ah. T'es trempé, main trempée. Allez, hop. Manger, douche. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Ah, tu y es. On va vous faire l'unboxing. Un ressort avec une tête de cheval. Un filtre à huile. Un morceau de métal pointu. Et le clou du spectacle. Un pot d'échappement. Oui, ça, c'est du bon travail. Allez, c'est de la dépollution. Alors, petite voix pour vous dire qu'à la suite de cette vidéo, on s'est renseigné et que le moteur sera apparemment un moteur de 4L et que l'espèce de petite clé, en fait, ça sera un truc pour compter le niveau d'huile dans les voitures ou autres engins. Une 4L, apparemment. Donc voilà, n'hésitez pas à confirmer cette hypothèse dans les commentaires et puis pour le reste, on n'a toujours pas plus d'indices. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce magnifique canal de la Martinière, cette dépollution, notre première pêche à l'aimant, donc soyez un petit peu indulgents dans les... Voilà, soyez indulgents. À la prochaine, pour de prochaines aventures. Donc, et du coup, Thierry, vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux, ouais. Et moi sur mes réseaux sociaux, dans la description. Bye les boys, abonnez-vous, likez, commentez. Bye les girls. Et les girls, et les non-binaires. Et les transgenres. Et tout ce qui existe. Voilà. Et les poissons du marais, et les pêcheurs. Les poissons du marais girls, oui. Et les poissons du marais boys, binaire. Les poissons du marais binaire, non binaire, et transgenre. Et tous les gens au bord de la route. Les gens au bord de la route girls, les gens... The end.